Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Merci de vous être branchés très nombreux pour suivre nos émissions sur Tribune de la Diaspora, une émission qui émet depuis New York City avec votre frère de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, il reçoit un combattant de l'IDPS du nom de Jean-Baptiste Tshitenge. Jean-Baptiste Tshitenge, il est combattant de l'IDPS Connecticut pour le compte de l'UDPS États-Unis d'Amérique. Avec Jean-Baptiste Tshitenge, nous allons parler de la déchéance de Jean-Marc Kabund et de la situation de l'UDPS. Et aussi, nous parlerons du programme de 100 jours du chef de l'État. Nous vous informons qu'il ne s'agit pas d'une expertise, mais d'une causerie politique. Jean-Baptiste Tshitenge, il est analyste politique. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, monsieur Don Kayembe. Alors, très content de vous trouver sur le plateau de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise dans son émission Tribune de la Diaspora. Content aussi de vous voir. Merci bien. Merci, Jean-Baptiste. Nous allons ensemble décortiquer la situation du parti et de la République démocratique du Congo et surtout parler aussi du chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, ma première question, nous avons tous appris avec étonnement, voire la rapidité avec laquelle la présidente du Parlement avait poussé Jean-Marc Kabund à la porte. Nous nous demandons exactement s'il y avait quelque chose qu'il a fait ou bien elle avec Jean Kabund, qui était son premier président, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, de la manière qu'on a vraiment accéléré ce vote-là. Est-ce que vous avez une analyse ou un point de vue à ce sujet? Bon, d'abord, encore une fois, merci, M. Don. Disons que pour cette question-là, je pense que tout le monde a suivi et ça laisse voir qu'il y avait déjà une dent qui planait contre Jean-Marc Kabund. Parce que la façon dont M. Jean-Marc Kabund a été déchu de ses fonctions, c'est quand même difficile à croire, difficile à accepter pour un groupe de gens avec qui nous sommes en coalition. C'était quand même étonnant. C'est tellement rapide. Non seulement c'est rapide, mais ça viole aussi les règles du jeu. Comment expliquer que quelqu'un en fonction, en tant que vice-président, peut être déchu d'une manière anarchique comme ça? Le problème est au niveau de la justice et au niveau de l'Assemblée. On oublie tout ça. On fait table rase. On ne tient pas compte de la justice. On ne veut pas attendre la finalité de l'issue du problème. Mais on décide de bypasser la justice, le troisième pouvoir, pour enfin destituer Jean-Marc Kabund. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Ce n'est pas clair, ce n'est pas propre, ce n'est pas conseillable. Donc, c'est quand même étonnant, mais nous avons tous, vous et moi, assisté à ce spectacle-là. Je ne sais pas ce qu'eux pensent dans leur camp, mais sinon, ce n'est pas tellement sérieux, si on doit employer ce mot-là. Ce n'est pas du tout correct. Tout à fait, mais alors, peut-être, selon les analystes scientifiques, ils disent que cela n'a rien à faire avec la haine. Donc, les deux pouvoirs sont indépendants, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, ils sont indépendants, ils peuvent agir à temps et à contre-temps, sans empiètement. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Disons que lorsqu'il y a conflit entre deux pouvoirs, la justice prime toujours. Lorsqu'un problème est pendant, en cours de trouver un règlement, on attend toujours pour voir ce que dirait la justice. Or, le problème tel que ça s'est passé était en train d'être examiné. Le monsieur là-bas, justement, oui. Le problème était là, on l'a relâché juste pour un temps. En attendant qu'on puisse examiner le problème, ici, on amorce avec vitesse le départ de Jean-Marc Kabund. Je ne pense pas que en démocratie, ça se passe comme ça. On respecte le pouvoir de l'autre. Donc, ces gens-là n'ont pas respecté la justice et ça,
Je pense que c'est marcher à contre-courant de la démocratie. On dit que la justice a essayé d'intimider le Parlement, puisque les parlementaires, à leur niveau, ils avaient tous les éléments que M. Jean-Pierre, ou l'autre là qui avait signé, qui a nié sa signature. On dit qu'il a évidemment signé, il y a l'apport audiovisuel et il y a des témoins oculaires. Donc, il n'y avait plus intérêt de chercher à tergiverser, puisque nous avons des preuves qu'il a signé sous pression de son président national, Vital Kamerhe. Il voulait rébuffer. Il y a une nouvelle loi au Parlement que personne, quand tu signes, tu ne peux plus retirer ta signature. Donc, ce qui fait que l'unique alternative qu'il avait, c'est se porter devant la justice. Et pourtant, il a signé selon un grand nombre de parlementaires. Votre commentaire. Je ne pense pas que ce que vous dites soit vrai. Soit effectivement vrai. Dans ce sens que quelqu'un qui signe et le problème va à la justice à ce niveau-là, refuser sa signature en coulisses au moment où on est en train d'examiner, de trancher, de vouloir voir clair un peu là-dessus, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis, quand bien même on dirait que le monsieur a signé, il a rébuffé sa signature, je ne pense pas que même cette version-là peut venir des gens autres que ceux appartenant du camp de ceux qui ont signé. Et puis, moi, je ne vois pas celui qui ferait des choses comme ça, sans crainte, sans peur, sans honneur, signer et puis refuser au moment où le problème est à la justice. Je ne pense pas. Non, les Congolais, au Congo, tout est possible. Hein. On en a vu de toutes couleurs. Si on doit leur prêter ne fût-ce qu'une portion de respect en tant qu'honorable, en tout cas, on leur accorderait un peu ce crédit qui ne peut pas faire des choses comme ça. Okay. Si à moi, cette version, ça ne vient pas d'un camp crédible, ça ne vient pas d'un camp correct. OK, ça c'est votre point de vue, puisqu'il y a des éléments probants qui prouvent ça. Donc ça, c'est l'analyse de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la destitution marathon de Jean-Marc Kabound. Alors, est-ce qu'après l'avoir démis de cette manière-là, où lui-même il dit « je suis sorti vainqueur, donc je n'ai jamais voulu me rabattre pour ne pas accepter ce que les autres voulaient que je fasse », donc est-ce que vous croyez que Jean-Marc Kabound, la façon dont il a fait pour attendre jusqu'à la fin qu'il soit déchu pour dire que je suis sorti la tête haute, ou bien il devrait faire une marche honoreuse, c'est-à-dire démissionner avant l'aboutissement du processus? Non, moi je pense que Jean-Marc Kabound a bien fait son jeu. Franchement, il devait attendre. D'abord, c'est un poste qui revient au cash. À l'UDPS, pas à Marc Kabound. Oui, justement, ça revient à l'UDPS. Il ne pouvait pas l'abandonner comme ça. D'autant plus que nous avons besoin de ce poste là-bas. Ne fût-ce que pour créer l'harmonie entre la coalition. Donc, c'était tout à fait normal. Non, Jean-Baptiste, c'est un poste de l'UDPS, pas un poste de Jean-Marc Kabound. Donc, si lui, jamais, il quittait, il y aura quelqu'un de l'UDPS qui va prendre le poste. Où est le mal? Cette version là-bas n'est pas bonne, okay, de laisser quelqu'un d'autre prendre ce poste là-bas. Pourquoi? Puisque en envoyant Jean-Marc Kabound à ce niveau là-bas, c'est puisqu'on connaît qui il est. On connaît sa compétence. On connaît en face de qui nous sommes. Donc, prendre quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il passe au peigne fin, qu'on puisse analyser qui est-il, que ferait-il là-bas, quelle est sa stabilité sur le plan politique. Nous devons examiner tous ces faits là-bas. Moi, je pense que à ce niveau là-bas, il n'y avait que quelqu'un comme Jean-Marc Kabound pour l'occuper. Et puis, si eux veulent quelqu'un qui leur plaît, ça devient un faux jeu. Nous devons mettre quelqu'un que nous trouvons compétent et valable pour ce poste-là. Et Jean-Marc Kabound était le meilleur pour occuper ce poste là-bas. Si vous voulez me dire que si à l'IDPS, il y a deux personnes compétentes, deux de ces gens-là, c'est seulement Jean-Marc Kabound. Je veux vous faire voir une chose. D'accord. Maintenant qu'ils ont destitué Jean-Marc Kabound, ils demandent quelqu'un d'autre.
Donc, ça va se passer d'une certaine façon et on va choisir quelqu'un d'autre. Correct. Comme ça se passe toujours dans notre pays, vous n'êtes pas sans ignorer que la corruption circule. On a vu comment les sénateurs ont été élus. On a vu comment les gouverneurs ont été élus. Donc, ces gens-là peuvent toujours entrer dans le camp de l'UDPS et manigancer de manière à trouver quelqu'un qui leur plaît, quelqu'un qui leur convient, pour que ce qu'eux vont dire, l'UDPS accepte. Ce qui est contraire à notre combat. Ce qui est contraire à notre combat. Tout à fait, Jean. Donc, à ce niveau-là, il faut un robot, un géant, un fort, quelqu'un comme Jean-Marc Tabound. Quand il parle, c'est tout le pays qui tremble. On ne sait pas ce que demain sera. Vous avez vu quand il avait dit? Oui, ok. Ok, alors, ce que vous dites là, c'est un point de vue. Puisque quand nous parlons des institutions, nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts. Alors ici, vous voulez nous faire voir qu'il faudrait un homme fort par des institutions fortes. En tout cas, je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en train d'assister à une dualité dans le pays entre le bien et le mal. Ne nous cachons pas les choses. Ne nous voilons pas la face. C'est entre le bien et le mal. Et d'une manière vraie, nous tous, nous pouvons nous convenir que le bien est du côté de l'UDPS. Alors, en face de ces gens-là, il faut quelqu'un qui puisse leur tenir tête. On a vu Jean-Marc Tabound. Il a réussi à tenir tête aux gens de FCC très facilement. Au lieu de demander pardon à l'autorité morale, il a refusé. Quelqu'un qui peut être en mesure de refuser cette histoire d'autorité morale, de demander pardon ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est dans l'esprit du Sphinx. Il est dans l'esprit de la lutte, de la vraie lutte de l'UDPS. Donc moi, je pense que donner quelqu'un d'autre pour occuper ce poste là-bas, ça pourrait être suicidaire pour l'UDPS. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là ne sera pas en harmonie peut-être avec le parti. Ainsi donc, il va suivre leur jeu et nous allons avoir un poste de façade. Jean-Marc Tabound est vraiment très bien adapté. Très bien adapté. Donc pour vous, c'est l'unique cadre de l'UDPS qui mérite ce poste-là. Et pourtant, quand on va demander qu'on présente un autre candidat à ce poste, c'est l'UDPS qui va choisir et qui va maintenant présenter à l'Assemblée nationale pour une élection probable et que la personne soit entérinée. Donc ça ne se fait pas qu'ils vont vous dire « donnez-moi Jean-Baptiste » ou « donnez-moi Don Kayembe, c'est celui-là que nous voulons ». Non, donc on va demander à l'UDPS de présenter quelqu'un et cette personne va passer à l'épreuve de feu du Parlement avant qu'il soit approuvé. Vous savez, ce que je donne ici, c'est mon avis. Mais je ne sais pas si les autres membres diront le contraire. Vous avez vu avec nous que durant le parcours de l'UDPS, la lutte de combat de l'UDPS, il y a eu chaque fois des gens qui ont été débauchés par le pouvoir. Donc, malgré qu'on soit ensemble dans l'UDPS, rien ne prouve que le degré de lutte qui est en moi est exactement au même niveau que le degré de lutte qui est chez mon voisin. Sinon, si nous devons réfléchir comme ça, Tshibala ne serait pas parti. Si nous devons réfléchir comme ça, tous ces gens-là, on a pris un an, Badibanga ne serait pas parti. Si nous devons réfléchir comme ça, l'autre ici, Moubaki, ne serait pas parti. Donc, moi, je pense que Moubaki n'était pas débauché, donc il a justement associé avec l'UDPS Tshisekedi, il a fait son UDPS peuple. Justement, mais il n'est plus de l'UDPS primaire. UDPS, mais sinon, nous avons l'UDPS comme Zaïko Langalanga, Zaïko Wawawa, et donc nous avons une multiplicité des UDPS avec les mêmes armoiries, regarde leur drapeau, ils représentent la même chose. C'est le plan blanc-bonnet. Nous leur accordons le temps de mettre le nom de l'UDPS, mais en réalité, ils ne sont pas de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS, sa vraie lutte, c'est combattre ce qui est faux, combattre le mal. Mais quand on va faire une coalition, une union avec le mal, dans le sens de pouvoir combattre les intérêts du peuple, là, il y a ce que nous appelons nous-mêmes auto-exclusion. Mon problème, je reviens un peu à votre question. Je dirais ceci. Je ne vois pas quelqu'un
qui prendrait ce poste là-bas et lutter pour rester propre avec ces gens-là. Le degré de mal qui est du côté FCC est tellement intense, est tellement élevé qu'il faut un robot, un dur. Raison pour laquelle vous avez vu, Félix, le papa Étienne, il est resté imperturbable. Il refusait les négociations, il refusait les postes, il refusait ceci. La même ligne de conduite qu'a adoptée M. Félix. La même ligne de conduite que M. Jean-Marc Aboun a adoptée. Jusque-là, c'était comme ça. Donc, maintenant là, si on met quelqu'un qui est fragile, on met quelqu'un qui a une portion de cupidité un peu élevée, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons. Donc, moi, je pense que pour le moment, si l'UDPS doit choisir quelqu'un pour remplacer Kabound, franchement, il faut que cette histoire-là se fasse avec une analyse très minutieuse pour trouver quelqu'un. Mais à mon avis, je ne vois pas quelqu'un qui peut remplacer Kabound à ce niveau-là pour le moment. Je ne vois pas. OK. Jean-Baptiste, revenons maintenant à la raison sans beaucoup de sentiments. C'est lui qui a initié la motion de destitution de Jean-Marc Kabound au Parlement. Il n'est pas de FCC, il est de la MUCA, c'est-à-dire de l'opposition, de MLC. Alors pourquoi, au lieu de vous attaquer à la MUCA, à MLC, vous vous attaquez à quelqu'un d'autre? C'est comme quelqu'un, on lui montre la lune, lui regarde le doigt. Justement, quand quelqu'un vous jette une pierre, vous n'allez pas vous en prendre à la pierre. Vous allez vous en prendre à celui qui l'a jeté. C'est ce que vous faites. Non, vous allez vous en prendre à celui qui l'a jeté. Donc, le monsieur là-bas... Il est de la MUCA. Je répète bien de la MUCA, pas de FCC. Mais la MUCA est où? La MUCA est où? La MUCA, c'est un singleton. Ils sont en dedans. Nous avons ici, eux, ils se déclarent maintenant de l'opposition. Oui. Cash et FCC, ils sont au pouvoir. Mais eux, non. C'est ce qu'ils se disent. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Vous savez. C'est ça la réalité politique au Congo. Eux, ils sont de l'opposition. Oui. Et vous êtes au pouvoir avec FCC. Oui. Le Fils de Dieu disait ceci. Si je dois employer ça ici, je sais que ça peut déranger d'autres personnes. Que votre oui soit oui. Tout à fait. Que votre non soit non. Le reste vient du malin. Moi, je pense que la tiédeur n'est pas une qualité. Ou la neutralité. Là n'est pas la neutralité. Ils se sont déclarés de l'extérieur. On ne peut pas les en vouloir. Mais le problème que moi et toi, nous discutons ici, c'est sur la position que l'UDPS, surtout, s'en prend à FCC, qui apparemment n'a pas initié cette motion de déchéance. Et vous laissez la personne qui a jeté la pierre et vous voulez attaquer à l'autre cible. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. La plupart des gens qui vont dans la politique, ce n'est pas par conviction pour aider le peuple. Tout à fait. Ouais, par conviction pour aider l'opportunisme. Ce n'est pas par vocation. Non, pas du tout. C'est juste... ce qu'ils appellent COP au niveau de KIN, ils pensent que c'est une affaire, une nouvelle affaire qui se crée. Donc, c'est un business. Oui, ça c'est dans ce sens-là. Et en parenthèse, puisque au Congo, l'unique entreprise qui paye bien, c'est la politique. Oui, c'est la politique. Ils abandonnent leur domaine de formation et tout le monde veut se faire politicien. Justement. Ce que ces gens font, c'est que dans leur parcours, dans leur vie politique, si à un moment donné, ils trouvent une occasion d'avoir un peu d'argent, ils se jettent là, les yeux fermés, oubliant son honneur, oubliant qui il est, oubliant qu'il est père de famille, oubliant même s'il est pasteur ou évêque ou qu'il oublie tout. Nous avons vu cela avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, aux élections 2006, même moi, je lui ai porté ma voix. Donc, beaucoup de gens regrettent, et même lui, il regrette, et pour dire enfin que je n'aurais pas pu accepter, j'ai accepté l'inacceptable. Donc, il n'est pas le seul. Donc, même le monsieur là-bas, Jean-Jacques Mamba,
à la fin, moi, je pense qu'il peut arriver à regretter pour dire que je n'aurais pas pu faire ça à un parti qui lutte vraiment pour le peuple. Je ne pense pas que la lutte... Il ne s'est pas attaqué au parti, M. Jean-Baptiste. Ok, oui. Allons à la genèse de l'affaire. Oui. Jean-Marc Kabound passe sur Congo Top Radio. Il dit que la... Donc, c'était quoi? C'est le congrès? Le congrès que Thambwe Mwamba et Mabunda voulaient appeler pour destituer le président de la République, ce qui est une bêtise, devrait coûter 7 millions de dollars. Oui. Cela a choqué chacun de nous. 7 millions de dollars. Mais au Congo, quand on prend l'argent, c'est toujours en termes de millions de dollars. Même ici aux États-Unis, quand vous avez ne fût-ce que 1 million seulement, vous allez voir l'ARS derrière vous chercher à savoir comment vous avez cet argent-là. Mais au Congo, on prend des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, sans inquiétude. C'est ainsi que Jean-Jacques Mamba, il pose la question, nous, on n'a pas vu un budget. Y a-t-il vraiment un budget pour ce congrès-là qui coûterait 7 millions de dollars? Est-ce que tu peux nous donner des éléments? Jean-Marc Kabound n'a pas voulu répondre. Il paraît qu'on a envoyé ces lettres-là, selon leur procédure parlementaire, deux fois. Pour la troisième fois, on a vu que c'était l'entêtement. C'est ainsi qu'on a amorcé maintenant cette procédure-là, selon le règlement de l'intérieur. Qui a fait du mal là-bas? Ok. Moi, je pense que à ce niveau là-bas, même moi, je me suis posé plusieurs fois la question. Mais Jean-Marc Kabound, le problème qui est là, c'est qu'il a sauvé d'abord la situation de ce moment-là avec Thambwe Mwamba. Là, c'est le premier point. Deuxième point, fallait-il continuer toujours à dévoiler tout sur la place publique? Moi, je pense que... D'où venait ce budget-là qui n'existe pas apparemment? Le budget de... C'est en nombre. Est-ce que c'était l'alibi pour étouffer une certaine démarche? Il faut dire la vérité, surtout quand on est devenu maintenant un homme d'État. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas cité 6? Pourquoi n'a-t-il pas cité 5? Alors, dites-moi pourquoi vous avez cité 7 si on lui a demandé. Justement, c'est parce qu'il connaît que c'est 7, ce n'est pas 7, mais ce n'est pas 8, ce n'est pas 3, c'est 7. Il fallait montrer qu'il est venu. Et c'était un exercice très simple que ça, que voilà, le budget a été confectionné, puisqu'ils ont quand même un comité budgétaire, c'est le comité budgétaire qui a fait ça, et voilà ce que nous a présenté. Plus simple que ça. On ne pouvait pas arriver à tout ce qu'on vient de connaître, monsieur. Non, moi je ne sais pas le défendre, puisqu'il n'a pas dit là-dessus. Je ne connais pas pourquoi il n'a pas voulu dire, mais j'ose croire que Jean-Marc Kabound, il agit en responsable. De tout temps, je n'ai pas encore vu Jean-Marc Kabound faire des choses de bas niveau jusqu'à ce point-là. Donc, quand il a parlé de 7, à mon avis, il connaît que c'est 7. Et son problème, c'est que il n'a pas voulu qu'on puisse dilapider de l'argent au moment où le peuple souffre. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, il faut aider que, donc, écoutez, ces gens, leur plan machiavélique de voler l'argent, c'est ça. Alors, on va maintenant les boucher là-bas. Mais quand il ne nous dit pas comment ils ont fait et qui a fait ça, c'est difficile vraiment de protéger à la prochaine, comme il ne sera plus là. De toutes les façons, ces gens-là, même lorsqu'on a cité les chiffres de 4 millions pour la réparation d'une salle qui était déjà bien, de 4 millions, ils n'ont pas voulu entrer en profondeur. Ils n'ont pas voulu aller loin. Pourquoi? Puisque c'est un des leurs. Donc, condamner Jean-Marc Kabound, chercher à l'évincer à cause de ça, ça ne tient pas debout. Si vraiment ils veulent être justes, qu'ils voient aussi Thambwe Mwamba qui justifie les 4 millions. Et voyant ce que Thambwe Mwamba a fait, et voyant qu'ils veulent faire encore la même chose au niveau du Parlement, il a dénoncé. Mais seulement, il n'a pas voulu donner les détails. Moi, je crois qu'il doit avoir une raison vraiment valable pour laquelle Kabound n'a pas voulu entrer encore en conflit avec ces gens-là. Okay. Il a préféré se garder calme, subir, plutôt que déclarer comment ils font de tout temps. Il a eu un coup très fort, vraiment insupportable. C'est un coup très dur pour lui. Et j'imagine, ces jours-là, c'était une longue nuit pour lui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'était pas un coup dur pour lui. Pourquoi? Puisque dans un des meetings, il avait bien dit que je ne suis pas accroché là-bas à cause de l'argent.
Je peux quitter là-bas du jour au lendemain et revenir ici. Et appeler même à tous nos ministres de revenir ici. Donc, ce n'est pas Jean-Marc Abound qui peut... Non, le monsieur là-bas, il semble être correct, plus dynamique. Par contre, les gens qui s'accrochent à l'argent, puisqu'il est parlementaire, on peut faire du n'importe quoi, le marcher sur le pied, de manière pourvu qu'il reste au Parlement. Bon, là, c'est eux. Mais du moins, même les gens de l'UDPS, quelqu'un qui a le charisme de Jean-Marc Abound, il ne peut pas accepter. Il a les germes de tiers. Il ne peut pas accepter des choses comme ça. Il a quitté là-bas tête haute. Il n'a pas voulu marcher avec eux pour rester au Parlement, gagner l'argent au moment où ils veulent tout simplement déstabiliser le président et le peuple. Non. Le peuple. Ok, alors on avance, Jean-Baptiste. Le temps nous fait défaut. Nous avons encore de la matière à décortiquer. Je vous vois. Oui, nous sommes encore là. Ouais, ouais. Un grand militant qui défend. La cause vient de son parti. Alors nous parlons ici de l'UDPS. Oui. Je voulais dire encore une fois, nous parlons ici de l'UDPS, oui. Le grand parti de tous les partis de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous vivons ces derniers temps, Monsieur Jean-Baptiste Tshitenge? C'est vraiment la cacophonie. Est-ce que cette façon de se comporter, ce comportement-là, où il y a deux camps qui se battent en pleine journée sur les médias, qui se battent pour leur positionnement personnel, est-ce que ça... Justement, ça ne donne pas une bonne image. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression qu'on ne sait rien faire là-dessus. Là, on subit. Si quelqu'un se décide... l'homme a le libre arbitre. Si quelqu'un se décide de prendre la voie de gauche, il est libre. Si quelqu'un se décide de prendre la voie de droite, il est libre. Même au sein du parti, il n'y a pas que l'UDPS. Au sein de n'importe quel parti, cela peut se faire. Cela peut se faire. Jean-Baptiste, écoutez. Nous parlons du président de la République qui est issu de l'UDPS, qui a besoin de montrer que je suis venu d'un parti organisé et modernisé. Ouais. Moi, le poste qu'il occupe actuellement ne lui donne pas mandat de parler ou bien de siéger au sein de l'UDPS. Il a laissé le parti aux mains de responsables. Le groupe de gens restés là-bas s'est scindé en deux. Il y a ceux-là qui disent « Nous, nous protégeons ici le poste du président qui est empêché. » Les autres disent « Puisque le président est parti, cet empêchement indique que c'est un empêchement définitif, il ne va pas revenir. » Selon les statuts du parti, il faudrait organiser un congrès, lequel congrès nous allons mettre en place un nouveau directoire, donc le nouveau dirigeant du parti. L'autre groupe en action actuellement ou au pouvoir actuellement, ils disent « Niet, nous on ne fait pas ça ». Nous gardons le poste jusqu'à la fin du mandat du président et le président viendra récupérer son poste. Sincèrement parlant, avant que je ne vous laisse parler, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élevé au niveau national, le père de la nation, il a vraiment des carrures et d'acceptation au niveau international actuellement. Vous le voyez revenir sincèrement encore comme président de l'UDPS. Ce n'est pas les réduire. Donc, vous commencez par le premier point. Le premier point, c'est le comportement ne l'arrange pas, n'arrange pas l'UDPS non plus. Et le deuxième point, vous voyez Félix Tshisekedi, après son mandat, revenir président de l'UDPS. Ce n'est pas les réduire. Ok, la question est bien posée. Il est vrai que le président peut ne pas revenir à l'UDPS. Il ne va pas revenir. Ouais, peut ne pas revenir à l'UDPS. Ok, mais est-ce le moment pour arranger ce problème ici? Ça, c'est une autre question. Y a-t-il un moment indiqué ou bien il faut le faire quand? Là, c'est une autre question. Regardez comment cette coalition existe entre le FCC et le CASH. Vraiment, le pays n'est pas en sécurité. Et on sent que c'est deux personnes diamétralement opposées, deux groupes diamétralement opposés. Deux visions vraiment contradictoires. Et il veut diriger le pays dans ce sens-là.
Est-ce pendant ce moment où le combat est très intense qu'il faut soulever ce problème-là? Ça, c'est une question qui reste posée. Bon, maintenant, réfléchissons. Aussi longtemps que le président Félix Tshisekedi n'a pas encore démissionné définitivement, n'a pas encore signifié que... Il n'y a pas de démission. On constate... N'a pas encore signifié que je ne reviendrai pas au parti. Il l'a fait quand il a mis quelqu'un pour faire l'intérim. Quelles que soient les conditions, le parti tel qu'il est resté, moi je pense que nous avons encore besoin de l'aura du président Félix Tshisekedi. Nous avons encore besoin de la notoriété du président de Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, là, si Félix Tshisekedi laissait entrevoir clairement qu'il quitte l'UDPS avec des ambitions bizarres, telles que les gens qui veulent se positionner au sein du parti, donc c'est quand même un désordre. Moi, je pense que pour le moment, ce que Félix Tshisekedi, le président, a fait, reste plus correct pour sauver et le parti et pour sauver la continuité du combat, puisque le combat continue. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes au pouvoir et au combat en même temps? Justement, nous sommes au pouvoir et au combat en même temps. Et ça, nous sommes au pouvoir et au combat en même temps. Okay. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Parce que ce que le FCC a fait à Jean-Marc Kabound, c'est un signe de combat. Encore une fois, on vous dit que c'est le MLC qui a fait ça, ce n'est pas le FCC. Bon, on ne considère pas le MLC. Le MLC, c'est une filiale de FCC. Ah bon? Vous êtes d'accord avec moi que le MLC, c'est une filiale de FCC. Même le Lamouka là-bas, nous ne considérons pas la Lamouka comme des gens crédibles qui combattent pour le peuple. Non, nous ne sommes pas dans ce sens-là. Okay. Raison pour laquelle je vous demanderai d'accepter mon langage, même pour ce petit moment. Alors, je disais ceci. Oui. Le président Félix ne peut pas se désolidariser, ne peut pas quitter, ne peut pas démissionner, ne peut pas signifier que non, restez maintenant, moi je pars. Non, il n'a pas fait ça. Il ne peut pas faire ça. Non, écoutez, Jean-Baptiste. Oui. Le président Félix Tshisekedi est indisponible. Oui. Bon, maintenant, nous parlons ici maintenant comme des gens, des intellectuels. Le niveau qu'il a atteint, il ne va pas démissionner de l'UDPS. Sauf que le poste qu'il a acquis maintenant est incompatible avec les activités du parti. Oui. Bon, maintenant, le niveau qu'il a atteint encore ne peut pas le demander. C'est quand il va quitter, ça c'est mon point de vue maintenant, quand il va quitter ce haut niveau, tant national qu'international, puisque bientôt, là, comme vous le savez, l'année prochaine, il sera le président en exercice de l'OIA. Et revenir en parti... président d'un parti politique, moi je pense que c'est une insulte. Mais il peut rester président ou bien membre d'honneur du parti, pas venir encore se mettre là en train de gérer des ambitions des gens au niveau du parti comme toi et moi. Non, ça c'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Et je pense que nous devons attendre la réponse du président lui-même. Que dirait-il à la fin du mandat? Vous savez pourquoi? Puisque on a vu, lui, le président, être proposé pour être premier ministre et il refuse pour rester du côté peuple, du côté bas niveau, du côté là où tout le monde peut refuser. C'est différent. Non, c'est exactement la même chose. Même les hautes fonctions qu'on peut lui donner après la présidence, nous ne savons pas s'il va les refuser pour rester au côté du peuple. Il peut pas être président de l'UDPS encore. Ça, si moi, j'ai à lui donner un conseil, il ne peut pas descendre trop bas comme ça. Il peut être maintenant au top comme un membre d'honneur, quelqu'un qui doit commencer à conseiller, à donner son expertise, que devenir encore un président d'un parti politique. Je ne le vois pas à ce niveau-là. Je ne le vois pas à ce niveau-là et je ne pense pas qu'il puisse passer dans ce sens-là aussi. Bon, personnellement, je ne pense pas que c'est déshonorant. Là, c'est un. Et puis, de deux, même s'il ne revenait pas, mais au moins, il pourrait avoir un rôle actif de manière à pouvoir recadrer Absolument. Les choses. Absolument. Oui, à ce que le parti puisse aller de l'avant. Et puis, laissez-moi encore intervenir un peu là. Allez-y. Je ne pense pas que le combat qui est aujourd'hui entre l'UDPS et l'autre camp va se terminer
du jour au lendemain, le mois prochain, après le mois prochain. Non. Ces gens aussi veulent récupérer le pouvoir. Donc, après toutes ces années qu'ils ont dirigé le pays, après avoir mis le pays dans le chaos, si jamais l'UDPS perdait le pouvoir et que ces gens-là revenaient encore aux affaires, je ne pense pas que c'est pour aller avec les choses dans le même sens que Félix Tshisekedi. Ils vont retourner un peu dans leur manière où quelqu'un peut voler 4 millions puisqu'il est président du Sénat, vous devez vous taire. Ou quelqu'un peut prendre 100 millions comme il est de leur groupe, vous devez vous taire. C'est ça. Ou quelqu'un est dans le faux, vous dites, nous allons allumer le feu. J'ai suivi un tweet de quelqu'un là, qui a, un des leurs, qui a dit que si jamais on touche Albert Youma, le soleil va se coucher à midi. Mais c'est ça, c'est quelle manière de gestion? Si nous devons encore redonner le pouvoir à ces gens ici, ça serait comment? On appelle ça de bonne guerre politique. Oui, justement, un être humain normal ne peut pas tomber à ce niveau là-bas. Moi, je pense que un politique n'est pas, il ne raisonne pas toujours normalement. Un politique, il raisonne là où il y a ses intérêts. On avance, Jean-Baptiste, le temps de faire défaut. Parlons maintenant du programme de 100 jours du chef de l'État avec cette mort mystérieuse du juge Yanni. Comment vous avez accueilli cette mort-là? D'emblée, comme ça, n'importe qui dirait que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Raison pour laquelle, même au niveau du pays, on cherche à faire des enquêtes. Le corps est gardé quoi, dans un camp militaire, tout ça. On cherche, continue à faire des enquêtes. Bon, j'ai appris par d'autres écrits qui ne sont pas officiels que c'est confirmé que c'est le poison. Okay. Bon. Maintenant, c'est qui? C'est quelqu'un de quel camp qui aurait empoisonné le juge? Quelqu'un de quel camp? Donc, même par devinette, nous pouvons déjà conclure. Mais on ne peut pas le dire ici, mais même par devinette, même un enfant au pays peut conclure que cette mort vient de quel camp. Vous comprenez? Alors, c'est dans ces conditions ici. Vous devinez quel camp? Vous dites? Vous devinez que c'est revenu de quel camp? Ah! Puis vous parlez de devinette, donc qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Bon, le général ici qui est décédé... Non. Vous devinez que cette mort-là, c'est une mort qui venait de quelqu'un ou de quelque part. Quel groupe avez-vous en esprit? Mais monsieur donc AMB, vous ne savez pas quel groupe qui tue les gens tous les jours au pays. Je ne serais pas deviné, je ne suis pas un devin, moi. Oui. En tout cas, tous ceux qui défendent Kamere, tous ceux qui défendent le diamant là-bas, ils ont beaucoup plus de raisons pour nous expliquer un peu. Ça peut venir d'où? Donc, je ne sais pas dire qui, mais attendons, je crois que nous aurons la suite avec les enquêtes qui se font. Tout à fait. Alors, parlons, comme vous avez cité Kamere, parlons un peu de Kamere, le mariage Kamere-Tshisekedi, pour dire l'UNC, l'UDPS. Oui. Si vraiment ces gens s'étaient unis dans la vérité pour le bien-être du peuple congolais, allions-nous assister à cette aventure-là de détournement d'argent et de non-progrès du projet du président de 100 jours? Moi, je pense que c'était une erreur, cette liaison là-bas. Je l'ai dit plusieurs fois, c'était une erreur. Pourquoi? Puisque Kamere est réputé avoir une mauvaise prestation en matière de fonction au niveau du pays. Pourquoi? Puisque j'ai suivi Olengankoy qui dit que le monsieur là-bas, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour mentir. J'ai suivi là-bas, une fois on a dit, on chantait Kamere Mouribi. Donc, une fois encore, on a chanté Kamere, cette fois-ci ne trahit pas. Donc, c'est connu que le monsieur n'a pas une réputation publique correcte. Mais le problème n'est pas là. Où est-ce que l'UDPS a fait l'erreur? En s'unissant avec Kamere, ils se sont dit, l'UDPS prend 5 ans et Kamere prend les autres 5 ans. Ce qui signifie que Kamere a les mêmes ambitions politiques que le président actuel, Félix Tshisekedi.
Maintenant, le mettant comme directeur de cabinet, il est tout à fait normal qu'il cherche à se positionner, il cherche à éclaircir sa venue dans les 5 ans qui viennent. Et voilà, chemin faisant, peut-être avec de mauvais conseillers, il est tombé dans le panneau. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, Kamere n'a pas lutté pour ce pays. Kamere était du côté pouvoir. Kamere était du côté de ceux-là qui faisaient du mal à l'UDPS de tout temps. Maintenant, les 5 premières années de Félix ici ne doivent pas être considérées comme les 5 années de Félix où il dirige, où il fait progresser le pays. Non. Vous regardez vous-même qu'une année et demie, nous sommes encore dans le combat. Celui-ci est évincé, demain c'est mandat terminé, le lendemain c'est l'autre ministre qui refuse d'obéir, après le lendemain, c'est toujours comme ça. Ça signifie que les 5 ans ici de M. Félix, c'est un 5 ans de combat, un 5 ans de préparation, c'est 5 ans de lutte encore. Alors, c'est 5 ans de lutte encore. Ah bon? Ce qui signifie que après ces 5 ans, les 5 ans qui viennent, ce sont les 5 ans là où il y aurait du calme, là où il y aurait un peu la paix, là où on prendrait le temps pour faire relever le pays. Nous aurons les derniers 5 ans. Un instant, là où on prendrait le temps pour chercher à faire relever le pays. Ça signifie que M. Félix, pour le moment, il est en train de travailler pour aplanir le travail à M. Kamere. Si M. Kamere n'a pas connu ces problèmes, il devait être en train de travailler pour aplanir la venue de M. Kamere. Ce qui n'est pas normal parce que Kamere ne peut pas être l'héritier de la lutte de Tshisekedi. Ne peut pas être l'héritier de la lutte de Maman Mart. Ne peut pas être l'héritier de Kibasa. Ne peut pas être l'héritier de Kyungo Kwanza. Ce n'est pas possible. Donc, en donnant à Kamere les 5 ans qui viennent, ça veut dire que le laisser trottiner et marcher sur le tapis rouge très facilement. Vous voyez, ce qui est faux, c'est dans ce sens-là que lorsqu'on a conclu l'accord avec l'UNC, on n'a pas tenu compte de ça. On a donné à Kamere une passe d'or au moment où Félix est en train de souffrir ici pendant les 5 ans. Donc, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, j'ai fait une vidéo 2-3 fois où je refusais carrément cette liaison UNC avec UDPS. Même si on acceptait cette liaison, il fallait alors donner à Kamere, même dans les 25 ans qui viennent, autant qu'il puisse se remodeler, devenir plus correct, on lui donne le nom de combattant, on le scelle, on le baptise, on pourrait prendre le pouvoir. Pourquoi? Puisque s'il prenait le pouvoir dans les 5 ans qui viennent, il va encore nous faire reculer en arrière. Voilà l'exemple. Juste des miettes d'argent qui ne représentent rien pour les 5 ans d'un mandat. Kamere est tombé dans le panneau. Voilà l'exemple. Comprenez. Donc, vous n'acceptez pas que c'est un allié juste pour le président de la République. Bon, le mot allié, je ne sais pas si on doit le prendre comme ça. Mais dans les pas de M. Kamere, chaque fois, on a constaté que M. Kamere ne contribue pas au grand slogan « Le peuple d'abord ». Quand vous prenez de l'argent, des millions de dollars, en très peu de temps comme ça, vous n'avez pas le temps de penser au peuple. Ça veut dire que si on lui donne l'étiquette d'allié, c'est une erreur monumentale. C'est ça. On fait route ensemble en s'étudiant, mais Kamere n'a jamais été allié. Franchement, n'a jamais été allié. OK. Alors, il nous reste très peu de temps. Oui. On a un élément capital à partager. Parlons un peu de ces morts-là en cascade à la présidence. Ça inquiète plus d'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que au niveau de notre pays, même si vous demandez à un enfant, l'enfant peut bien deviner. Nous avons vu le pouvoir de Kabila ici depuis qu'il était venu. Le nombre des tués, il y en a eu en désordre dans tous les sens possibles. Des gens tués dans la voiture, des gens tués par la police, des gens tués dans les manifestations, des gens brûlés vifs.
des gens brûlés vifs. Franchement, nous avons senti que la mort au niveau de nos alliés ici, Kabila avec ses hommes, ne signifie rien. L'être humain ne signifie rien. Ne signifie vraiment rien. On peut le tuer n'importe quand, n'importe comment et par n'importe quelle manière. Attendez, pendant ces 18 ans. Attendez. Alors, vous voulez dire que les morts à la présidence sont imputables au groupe Kabila? Bon, tout ce qui se passe dans le pays, ce que nous voyons toujours deux groupes. Nous voyons le cash et nous voyons le FCC. Et même le cash, nous voyons des alliés très sûrs de FCC qui sont dans l'UNC, tels que lui-même, le Vital Kamerhe. Donc, nous ne pouvons pas dire pour le moment que c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les gens qui meurent au niveau de la présidence, ce sont les gens des mêmes groupes. Nous parlons, écoutez d'abord, parlons de l'alliance qui dirige. Donc, à la présidence, il y a le cash qui est là-bas. Mais dans ce cash-là, c'est seulement un groupe de gens d'une certaine branche qui meurt et l'autre groupe, personne n'est inquiété. Personne. Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes? Personne. Franchement, les combattants de l'UDPS, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en train de dénoncer ça clairement et publiquement, que l'UNC est en train de marcher à contre-courant les objectifs de M. Félix Tshisekedi. Ils sont en train de décrire ça clairement. Nous pouvons citer Abbé Chollet, nous pouvons citer le pasteur Guili, nous pouvons citer Kadiombo, Bossembe. Tout le monde décrit ça. Donc, aujourd'hui que nous avons un cas qui donne l'énigme à résoudre, nous attendons que la justice fasse les enquêtes correctement. Mais nous pensons que ça ne vient pas du camp de l'UDPS. Ça devient d'un autre camp. Mais quel est ce camp là-bas? Combien de camps il existe? Or, nous pensons qu'il y en a deux. Le FCC qui englobe la Mouka et les autres là-bas. Et puis l'UDPS. Donc, attendons voir le résultat. Je pense qu'on va arrêter quelqu'un à cause. Mais les gens continuent à mourir, ma foi. Les gens continuent à mourir. Que le président se manifeste quand même qu'on arrête cette hémorragie. Mais nous disons toujours, quand il y a un mort, c'est un mort de trop. Que le président fasse quelque chose, je pense. Les gens sont en train de mourir. Une mort, c'est une mort de trop. Justement, à ce niveau ici, je pense que nous tous, nous constatons, nous voyons comment le président agit. Il y a une lenteur dans la réaction. Il prend les décisions avec lenteur. Mais on ne sait pas ce qui se passe exactement. Nous nous posons parfois des questions. Quand il y a des morts en cascade comme ça tous les jours, moi je pense que ça aurait été mieux de fermer un peu les bureaux, de faire venir une société internationale de manière à checker chose par chose. On check et le papier, on check les climatiseurs, en dessous des fauteuils, on check tout exactement. Mais ils ont attendu. Et dans cette attente, il y a des orphelins qui se sont... Il y a des orphelins qu'on a pu créer. Il y a des veuves. Dans cette attente, il y a des familles qui vont gémir juste les quelques mois. Et on va les oublier. Donc, cette fois-ci, je pense qu'à ce niveau là-bas, il faudrait que le président se réveille un peu. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça, tout en ne donnant pas une raison. Alors qu'il y a des sociétés sur le plan international qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Cette question, la toute dernière est celle-ci. Comment se porte l'UDPS Connecticut et par ricochet l'UDPS États-Unis? Vous êtes un grand combattant. L'UDPS États-Unis ne se porte pas bien. Nous avons fait des réunions avant les élections, plusieurs réunions. Nous avons mis un comité provisoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas ce comité-là travailler. Des gens ont payé pour des cartes. Ça fait une année et demie et des cartes ne sont jamais venues. Des réunions se tiennent très rarement. Je ne sais pas pourquoi les gens sont amorphes alors que la lutte est vraiment intense au pays. Nous devions nous souder, nous mettre ensemble de manière à ce que
nous puissions contribuer aussi avec des réflexions, des idées, des émissions comme celle-ci, contribuer aussi à la lutte qui est au pays. Donc, l'UDPS États-Unis ne marche pas bien. Par contre, lorsque j'examine un peu en Europe, je sens qu'il y a de la vie là-bas. Il y a de la vie. Les gens se réunissent, se rencontrent, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, ils progressent, ils anticipent, ils proposent au pays. Voilà au moins ce que nous devions faire. Mais je pense que chez nous ici, aujourd'hui nous avons une réunion la nuit, mais nous souhaitons que les réunions soient régulières, de manière à ce que nous puissions vraiment asseoir le parti, à l'instar de nos amis de la France, de la Belgique, ainsi de suite. Ok, juste un petit correctif. Il y a des réunions qui se font d'une manière hebdomadaire au niveau de l'UDPS États-Unis. Ils se réunissent régulièrement chaque dimanche à peu près online. Donc, c'est très régulier. Et peut-être que vous n'êtes pas informé. Je pense que votre président sectionnaire est informé et parfois il participe à ces réunions-là. Donc, les réunions se tiennent au niveau de l'UDPS USA. Bon, peut-être que ce que vous dites là, on ne sent pas que le comité est en train de faire tout ce qu'il faut pour mettre les activités ou bien les sections en mouvement. Là, ça pourrait être une question à débattre prochainement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, Jean-Baptiste Tshitenge. Juste une minute pour un mot de la fin. En tout cas, je vous remercie, M. Don, pour cette initiative. Je crois que nous aurons le temps de parler de temps en temps sur les choses qui concernent notre pays. Tout ce que je peux demander aux gens, c'est de rester fort et unis derrière le président. La lutte que Étienne Tshisekedi a menée n'était pas une lutte d'argent, n'était pas une lutte de biens matériels, raison pour laquelle, et lui, et M. Félix Tshisekedi, ils ne faisaient que refuser. Ils ne faisaient que refuser les propositions qui leur étaient données chaque fois. Donc, moi, je pense que, pour le moment, focalisons-nous à voir la vision du chef, le président Félix Tshisekedi, là où il met le peuple d'abord, le peuple en premier. Donnons-lui les capacités nécessaires, la force, la prière, tout, de manière à ce que la lutte qui est engagée avec les forces du mal puisse être vaincue, que le peuple soit heureux, comme nous le souhaitons nous tous. Alors, Jean-Baptiste Tshitenge, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Et comme nous le disons toujours, que cela ne soit pas la dernière fois que vous soyez avec nous. Nous serons toujours prêts à vous appeler dès que possible. Là, nous disons grand merci et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Don. Chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, vous qui nous joignez chaque samedi sur tribune de la diaspora avec Don Kayembe de New York City, nous vous remercions très sincèrement et vous appelons que vous puissiez continuer à nous capter sur www.mediaforafrica.net et www.lavdc.net. Nous vous informons que c'est chaque samedi que Tribune de la Diaspora tient ses interviews. Et partout où vous êtes, vous pouvez nous appeler. Nous allons toujours essayer de vous accommoder pour qu'on puisse parler de notre pays. Et avant de terminer, si je pense à la VDC, RDC Kinshasa, je vois ici Raphaël Tchamanga, notre journaliste sur place, chef d'antenne. Je vois ici maman Adrienne, qui vient de nous rejoindre, la présentatrice bien-aimée de la Voix de la démocratie congolaise à Kinshasa. Et nous voyons ici Théodore Bakatula, lui aussi, il est derrière la caméra. Merci du travail que vous faites pour cette radio-télévision. Et pour conclure, merci beaucoup à José Kapajika, le directeur technique, qui prend en charge toutes les images. Merci et à la prochaine.